Bonjour à tous, bonjour Pierre. La neige aujourd'hui est au programme, Pierre. Bonjour Hervé, les conditions sont délicates pour jouer au foot, c'est sûr, mais bon, chapeau aux supporters qui ont fait le déplacement parce que ils caillent. Hein. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui Hervé, on va suivre cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui. En règle générale, ça donne du bon spectacle, on va bien voir. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Double championne du monde. On ne se lasse pas de répéter cette phrase, hein, double championne du monde. Oui, puis on ne se lasse pas quand même d'être surpris, parce que je ne pense pas que l'équipe de France était la meilleure équipe sur le papier. Mais c'était certainement la plus solidaire et la plus soudée. À quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. Dans les buts, on va retrouver Hugo Lloris, bien sûr. Clément Lenglet sera titulaire en défense avec Raphaël Varane pour partenaire. N'Golo Kanté sera associé à Paul Pogba au milieu de terrain. Et devant, Antoine Griezmann sera en charge d'animer l'attaque avec Kylian Mbappé. Attention, ça peut être dangereux. Très bien joué, les Bleus ont repris la balle. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Kylian Mbappé, le gardien qui gagne son duel, hein, finalement. Ouais, une sortie dans les pieds, très propre. Et comme toujours, depuis plusieurs mois maintenant, on sera attentif au match de Kylian Mbappé. Ouais, il est promis au plus bel avenir. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Complètement raté cette passe. Oh la barre, attention, c'est pas fini. Nabil Fekir. Il faut trouver l'ouverture. Allez, il y a du monde pour reprendre. Le gardien qui répond au présent, hein, sur cette action. Robin Lode. Ballon rendu à l'adversaire. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Lucas Radeski. Ouais, très propre ce tacle. Ce sera donc une touche. Robin Lode. Ballon rendu à l'adversaire. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Excellente intervention. Les Bleus qui abordent cette partie en qualité de favori. Kingsley Coman. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Ouais, il y a des options dans la surface. Benjamin Pavard. Pogba. Petit aveu d'impuissance, hein, quand même, de cette frappe très lointaine.
Benjamin Pavard. N'Golo Kanté. Paul Pogba. Il cherche des solutions là. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin celle-là! Allez, pleine surface. Le dégagement du point du gardien. Fekir. Alors, je rappelle l'un des faits quand même importants de ce match. C'est quand même la neige qui tombe. Hein. Ah, c'est des conditions un peu particulières pour tout le monde, mais pour l'arbitre, rien n'empêche de disputer cette rencontre. Qui est rendu au camp adverse. Très bonne anticipation sur ce ballon. Oh là, il a laissé. Ah, mauvaise intervention là. Ah ouais, c'est le jaune. C'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. Ouais, un ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Ouais, le gardien qui se saisit bien de ce ballon. Nabil Fekir. Il remporte son duel. Ah, il est facile. Kanté. Kylian Mbappé. Il tire. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, faut y aller quand même. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Et non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Contré. Un match amical qui a eu du mal à découler avant cette première période. Oui, Hervé, pas de but en effet, et des attaquants globalement très décevants. Ah, il n'est pas vraiment à la fête, Antoine Griezmann. Il n'est pas en réussite aujourd'hui. Quelle médiocre performance, que ce soit dans son placement. Ses appels de balles, son travail défensif. Lui, on sait qu'il est capable de faire basculer un match, mais pas comme ça. Hein. L'équipe de France qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Ah oui, la bonne passe. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. Le gardien qui ne peut pas faire grand-chose hein, sur cette action. La vraie question, c'est de savoir comment le buteur peut se retrouver dans cette situation si près du gardien. Et l'équipe de France qui mène donc. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Paolo Sarayuri. Allez, dans le couloir. Dans l'intervention de N'Golo Kanté qui intercepte. Alors que veut dire l'arbitre après cette faute. Carton jaune pour cette faute. L'avantage avec ça, tu vois, c'est que tout le monde est prévenu maintenant. Pogba. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Oh,
Robin Lode. Un ballon pour l'adversaire. Kingsley Coman. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Kingsley Coman. C'est pour le gardien. De trouver la faille. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. L'entraîneur qui, visiblement, a demandé du pressing. L'équipe de France qui va bénéficier d'un coup franc pour cette faute. Un changement, il va céder sa place. Je rappelle qu'il a pris un carton jaune tout à l'heure. On ne prend pas de risque du côté de l'entraîneur. Et Paul Pogba qui continue, bien sûr. Paul Pogba, il y est. Qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Ah, il la prend comme elle vient, il ne s'est posé aucune question, magnifique. La passe était parfaite, même pas besoin de contrôler. Hein. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Antoine Griezmann, qui a été l'un des acteurs majeurs de la victoire française lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ouais, il a joué un rôle prépondérant, peut-être un petit peu obscur pour la qualité technique globale de ce joueur, mais bon, il a été décisif sur coup de pied arrêté. C'est sans problème pour le gardien. Kanté, Kingsley Coman, entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Ouais, le gardien bien présent sur le centre. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. La voie est libre pour l'attaque française. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Bien vu, N'Golo Kanté qui récupère le ballon. Mbappé en bonne position. La parade exceptionnelle, Radetzky. L'entraîneur qui va faire rentrer un attaquant. Il n'a plus le choix, de toute façon, il faut bien tout tenter pour revenir. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Il a dégagé à ce ballon qui était dangereux. N'Golo Kanté. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah, ça va le jouer, la peine, il aurait dû attendre un peu. Benjamin Pavard. Voilà, c'est terminé, c'est fini, coup de sifflet final, tout le monde va rentrer au vestiaire. Un match amical bien négocié pour eux au final. Quelques mots peut-être sur la prestation de Paul Pogba. Un match intéressant avec un but bien sûr, mais je pense que sa joie vient plutôt du fait que son équipe a gagné aujourd'hui.